Stop. T'étais quoi là? T'étais attaquant ou défenseur? Défenseur. Non, t'étais attaquant. Non, défenseur. Veuillez reculer, t'as vu qu'il a reculé. Et regarde où tu es. Oh là là. Tu devrais être. Ça va? Eh oui, donc, sors de ring. T'as vu pour bien te cadrer, puis l'emmener dans le coin là. Quand tu te mets là, il s'en va là de l'autre côté. Donc t'as encore pas bien assimilé l'utilisation du ring. Donc. On voit bien, ça a combien de pixels là-haut? Il faut faire culer à l'adversaire, il faut en profiter, hein, pour l'entendre des corps. Voilà. Voilà, et là il est dans les dates, là il est à feuille. Prends ton temps pour l'entrer. Stop. Tu vois la fois que tu fais, c'est que tu dois aller trop vite pour le mettre dans le coin. Et tu prends des risques, tu prends des coups. Prends ton temps pour l'enlever dans le coin. Tranquille, à distance, tu prends pas de risques. Tu vas à tout prix courir après lui. Non mais y'a rien. Tranquille. T'es pas pressé, t'as vu, recule, tu veux de l'emmener tranquillement. Merci, merci. Tu prends la descente. Tu vas aller trop vite. Hop. Ah, voilà. Je boxe en premier, il est con. Allez, emmène-le. Stop. Oui. Stop. Coulombe triple. Tête baissée. Non, dis pas comme ça. Stop, fais-moi comment il faut faire. Non. Il faut d'abord un désigné boxeur. Stop. Après, un boxeur. Oh, tu désignes. Stop. Après, qu'est-ce que tu fais? C'est ça aussi. Et il te fait, il a compris. Voilà. Salam alaikum. Et ça aussi. Vous avez vu son début de reprise. Il a snobé sur l'adversaire. Hein, il était là. Ça, j'en aurais besoin. C'est une mariole. Dès le début, il était là. D'accord? Les juges qui sont là, qui sont des petits juges comme toi, hein. Ils disent, ouais, l'autre connard, l'autre mariole, tu vas voir. Et puis, bah, mais quand il va falloir appuyer pour toi, il appuie pas. Il est payé, il a donné son petit franc, lui. Oui, mais t'as compris? Donc, il faut respecter les juges. Mais puis, toi, tu veux passer pour le mariole, c'est eux qui décident la sortie, hein. D'accord? Alors, deuxième chose, je voulais dire ça par rapport à autre chose. Pour les juges, c'est bien. Par exemple, toi, l'arbitre, tu as fait ça, tu as recommandé et tu as fait ça. Ben, le mec, il connaît son règlement, il est respectueux de l'arbitre et tout. Alors, les juges, c'est pareil, la sortie, tu vois, tu dégustes, hein. Bon, ben, je sais très bien. Et alors, au début, tu étais pas bien. Voilà, mais tu l'as provoqué. Et ça, c'est pas bon, c'est pas dans l'éthique sportive. Alors, tenez compte de tout ça, hein, ça compte pour les résultats finaux. Et en même temps, pour votre éducation, respect de l'adversaire. Hein? Oui, bon, ben non, continue un peu, alors on a arrêté. Tu boxes, toi, non? Des vas-y, oui, comme toujours. C'est parce qu'il est malgache. Les malgaches sont toujours fatigués. Allez, bon, la dernière. Si tu veux, je te mets un peu. Non, cocaïne. Une fois à droite, une fois à gauche. Tu l'as mal cadré, monsieur Mélo, tu l'as mal cadré. Oh. Oh, ça c'était magnifique ça. J'ai peur. Regarde le truc ça. Et pendant 20 secondes, il n'y a rien eu. T'as le temps pour le cadrer, t'as le temps. Là, vite, même pas sur la plaque. Là, hop. Oh là là. C'est de la boxe éducative à saut, monsieur. Voilà, c'est bien. Bon, c'est pas mal. Moi, j'aurais dit coulométriser. Non, ton problème, ton problème de veille, t'as les bras longs, mais tu les utilises. C'est fini. T'es trollé quand même.